Samedi est le nouveau titre du film qui vient enrichir la production cinématographique au Gabon. Tourné dans un quartier de la capitale Libreville, le film met en scène Aporo et son ami Ikapi dans une réalité de vie qui caricature la société, pour ne pas dire l'univers de la jeunesse. On partait sur un remake. Remake, en fait, peut-être que vous l'aurez peut-être remarqué, c'est un remake d'un film américain, justement, de Gary Gray, Friday. Voilà, donc nous avons fait justement un film dans nos réalités, justement la gabonaise. Comique, instructif, le film Samedi évoque le chômage des jeunes et l'influence des mauvaises compagnies qui exposent les jeunes à l'oisiveté et au vice. Le film parle d'un jeune garçon qui est au chômage et il a une amie, lui qui est un peu dans la rue, qui est dealer. Voilà. Et c'est comme ça que voilà, il entraîne dans une situation où il a des problèmes avec, on va dire, son chef, parce qu'il ne lui a pas donné remboursé, en fait, du moins donné l'argent qu'il fallait pour sa marchandise. Et c'est comme ça. Samedi, c'est une équipe de production qui réalise son premier essai cinématographique. Le film sortira officiellement le 6 mai de l'année en cours.